organisation du territoire ni les représentants de l'opposition. Concrètement, de quoi il a été question au cours de cette réunion? Merci. Il a été question de la marche qui a été projetée par l'opposition pour demain et sur l'autoroute de Matoto jusqu'au niveau du stade de Bonfi. Alors, c'est de ça qu'il a été question. Mais contrairement aux autres marches, l'entretien que nous avons eu aujourd'hui, nous avons signifié à l'opposition, compte tenu du fait que, en l'espace d'un mois, il y a eu combien de marches. Et il vous souviendra qu'il y a une semaine de cela, on a enterré deux morts après une marche qu'on a qualifiée de pacifique. Donc nous nous sommes dit qu'il n'était pas opportun que cette marche ait lieu sur l'autoroute de Conakry. C'est ce que nous avons discuté et ça a été signifié à l'opposition. Nous avons chargé à l'opposition d'aller informer la base pour dire que la marche de demain sur l'autoroute n'est pas autorisée et n'est pas autorisée par les autorités de la ville de Conakry. Alors, sur cette question, le représentant de l'opposition, vous allez le remarquer, il n'est pas avec nous. Il nous a dit dans la salle qu'il n'était pas habilité, il n'avait pas mandat à donner une quelconque déclaration par rapport à ce refus de marcher sur l'autoroute. Donc c'est pour cette raison que vous ne l'avez pas vu avec nous. Nous avons insisté pour qu'il fasse la déclaration parce que c'est devenu maintenant un credo. À chaque fois qu'il y a marche de l'opposition qui est projetée, nous nous retrouvons pour que les dispositions soient prises et qu'on puisse faire une déclaration. Mais aujourd'hui, le représentant de l'opposition dit qu'il n'a pas ce mandat de faire une déclaration. Voilà pourquoi vous ne l'avez pas vu parmi nous, mais il était dans la salle, vous avez déjà pris. Monsieur le gouverneur, souvent les marches projetées sur le Prince sont autorisées, mais par contre, les marches sur autoroute Fred Castro sont souvent refusées. Est-ce que vous pouvez faire une étude comparative entre ces refus et ces autorisations? Oui, il y a eu des marches qui ont été autorisées sur l'autoroute, avant même que nous ne prenions fonction. Et ces marches qui ont été autorisées, il y a eu assez de victimes. D'abord, on a déploré des cas de mort, mais aussi beaucoup de boutiques. Parce que vous savez que c'est sur l'axe-là où se trouve le grand marché de Conakry. C'est pour cette raison que nous interdisons pour nous éviter assez de devoirs. Donc, on a fait des comparaisons entre la marche sur l'autoroute et la marche sur l'Arc de Prince. Sinon, sur le Prince, il y a beaucoup de grands marchés. Quand vous prenez pour le parlez... Non, contrairement, le plus grand marché, pas de grand marché. Quel est le plus grand marché? Citez-nous un peu les grands marchés sur l'axe de Brest. Citez-nous les marchés. Non, non. Monsieur le gouverneur. Mais oui. Monsieur Boukara, ça veut dire que demain, vous utiliserez la force publique pour empêcher aussi toutefois l'opposition. Nous avons dit que ce n'est pas autorisé. D'accord. Dire qu'on va autoriser les forces publiques, nous allons pousser les forces publiques à intervenir. Nous disons parce que à chaque fois qu'ils écrivent, on les répond pour dire que oui, nous étudions. Nous évaluons la situation sur le terrain et c'est en fonction de cette évaluation que les marches sont autorisées. Puisque cette fois-ci, nous avons fait une évaluation. À chaque fois qu'il y a une perte de vie humaine, c'est la Guinée qui perd. Un seul individu qui perd son âme, c'est la Guinée qui perd. Donc nous nous sommes dit qu'à l'espace de combien de semaines, il y a eu combien de morts. Et on n'a pas encore fini de voir ces morts et qu'on sorte encore demain matin pour courir d'autres choses sur le tour. Voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on accepte de s'accorder pour que cette marche n'ait pas lieu. Et si toutefois l'opposition bradait cette interdiction, quelles sont les dispositions que nous allons prendre, nous nous sommes dit que la marche n'aura pas lieu. C'est ce que nous avons dit. C'est bon. Merci.